JCPMY et Story Circus présentent. La personne handicapée en situation d'accueil client. La majorité des postes de travail peut être occupée par une personne handicapée, y compris les postes d'accueil ou de vente, en relation directe avec le client. Ce n'est pas une question de handicap, mais de compétence. Dans une agence de communication, deux créatifs cogitent pour une web-série sur le handicap et la diversité. J'en crois pas mes yeux, le brief, en vitrine. Voilà, tu vois, typiquement, on est sur la question de l'accueil, du rapport client. Ouais, là, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est ça. Et alors, le truc, est-ce qu'il faut mettre des handicapés en frontal? Parce que si le concurrent, il met une top modèle à l'accueil et toi, tu mets un handicapé. Ouais, là, c'est. On n'est pas sur un truc hyper fair play, là. Surtout que c'est la crise, donc on peut comprendre que chacun défende son bout de gras. Ouais. Sauf si tu sors des clichés. Tu mets une aveugle, mais top modèle. Ah ouais, excellent, avec tous les salariés qui sont dégoûtés parce qu'on va leur mettre une handicapée à l'accueil, que ça va faire fuir les clients. Sauf que le patron, lui, il est ouvert d'esprit, donc il l'accueille lui-même et là, bah... Grosse bombasse. Très belle femme, blonde, juste un peu aveugle, tu vois. Gros effet comique de surprise, avec tous les autres qui sont dégoûtés de ne pas l'avoir accueilli eux-mêmes. Classique, mais ça marche. Dans l'idéal, il se passe un truc avec le patron, hein, parce que quitte à caster une nana canon, les gens aiment bien après qu'il se passe un truc. Puis tant qu'à faire qu'il y a de belles images. Hein. Puis on n'est pas obligé de prendre une voix aveugle. Ah non, tu m'étonnes. On va prendre une normale, hein, parce que sinon on va galérer pour le casting. T'imagines ? Cherche jolie jeune femme aveugle pour web série. Ça, c'est un coup à se prendre des plaintes pour discrimination, ça. Ça, ce serait le con quand même. Hein. C'est quand même pour eux qu'on fait tout ça. Mais ouais. Ils échangent des regards consternés. Une série de Jérôme Adam et Guillaume Buffet, réalisée par Henri Poulain, avec Cyril Delastéry et Romain Cotard. www.jencroispasmesyeux.com, audio description Marc Viguetti pour l'association Valentin A8.